Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis ravi encore une fois de plus d'être devant vous pour vous présenter ce nouveau numéro qui sera la suite effectivement de l'émission que nous avions passée hier où nous parlions de l'état de siège, où nous parlions de cette terreur qui se vit à Butembo, à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est vraiment... la pression monte d'un cran. Nous nous retrouvons dans une situation où le peuple n'a plus confiance, même aux politiciens. Le peuple condamne, il sait où est la faute, il sait où se trouve l'ennemi, mais faute de moyens, faute de ne pas être organisé, il est là, Batwazo Koufa, Batwiko Wana Koufa Samanyama. On ne sait pas à quel sein se vouer. Donc nous allons passer encore un moment dans cette en vous expliquant ce qui se passe bien sûr sur le terrain, mais nous allons vous expliquer aussi qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas comment on ne gouverne pas, quand on n'a pas les moyens de sa politique et quand on ne sait pas diriger, quand on a passé beaucoup de temps dans l'opposition sans penser au plan qu'il faut faire quand on arrivera au pouvoir. Aujourd'hui, au Mali, dans le pays est-africain là-bas, il y a des coups d'État. Il y a des gens qui se sont réveillés un moment en se disant que non, on ne peut plus faire. Il y a des coups d'État. Qu'est-ce qui empêche que cela ne puisse pas arriver chez nous? Non, ça n'arrivera pas chez nous. Mais chez nous, la République démocratique du Congo est sur un autre chemin. Le chemin de la balkanisation, ça c'est le chemin qui a été encore tracé par le Soudan. Où est-ce que le Soudan a été divisé en deux? Mais ce qui se passe chez nous, toutes les lampions sont en vert pour qu'il y ait balkanisation de notre pays. Je vous ai déjà parlé l'année passée que, en tout cas, les lampions sont tous les signaux. Mais il ne reste maintenant que l'élément déclencheur. Nous allons en parler. Nous parlerons aussi du changement. C'est que veut dire le changement? Qu'est-ce que le peuple veut attendre avant que nous proposions nos solutions que nous avons toujours données ici? Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Vous êtes sans le savoir que le président de la République est à New York et c'est à 19h, heure de Kinshasa, où il parlera donc... C'est ça qui va dominer l'actualité, mais suivons quand même la lecture de ces grands journaux et puis nous reviendrons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, après l'annulation de son concert au Zénith, Paris Werrason s'exprime. Et puis, Ouélé, Christophe Bazaen et Nanga, toute la division des relations avec l'Assemblée provinciale. On va sur actualité.cd, la lucha aux côtés des politiciens dans les manifestations, un mélange de genres dangereux. Et puis, le journaliste Pierre Sosten Kambidi, arrêté à Kinshasa la nuit de lundi à mardi. On va sur Congo Profond, fête Kofa, les entraîneurs à l'école pour l'obtention d'une licence fédérale B. Police de proximité, clôture des sessions de formation de base à l'école de Kasapa, Lubumbashi et à l'école de Chibuka, Mbujimayi. 7 sur 7, plus de 3,3 milliards de réserves d'échange. L'ex-premier ministre Mabimou Lumba tente de donner des raisons de cette hausse des records. Puis la PCNUDH appelle Bitafira à retirer ses propos incitatifs à la violence contre les Banyamouleng. On va terminer sur radio avec Radio Kapi. Citez-vous une trentaine de disparus lors d'un naufrage sur le lac Kivu. Et puis à Beni, Nord Kivu plutôt, deux villages des groupements Oufamandou. Les premiers attaqués par les présumés combattants Machano. Merci. On se retrouve demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. À Kinshasa, il y a encore quelque chose qui met le pays dans un, comment on appelle ça, dans une attente. Les gens ne savent pas finalement qu'est-ce qui va arriver.
Nous continuons à vivre des scandales, on cherche à résoudre ce problème. Ce sont tantôt les bus, tantôt c'est Bukangalonzo, tantôt ce sont les procès, tantôt Donc, nous ne vivons qu'à ce rythme-là. Quand vous regardez ce qui se passait dans ma campagne d'enseignement, Mouindo, on prend le courage, on va dans les états des lieux de l'enseignement, on sort là-bas avec 300, je ne sais pas, résolutions. Est-ce qu'on a le moyen à ce que ces 300 résolutions puissent être mises en place? On ne réfléchit pas. C'est ça qui cause le problème. Aujourd'hui, nous devons nous mettre dans la tête que ce qui doit être fait aujourd'hui devrait être réfléchi il y a 5 ans. Il y a un autre chose, les gens qui ont vendu, ils ont mis en cannabis. Et ça, c'est applicable dans les 2-3 ans. On ne peut pas se réveiller d'un bon matin comme ça, tout le monde est en train de se faire. Parce que ba miyibi bazo kote la mingi awa ekosimba te parce que tokozala toko réfléchir te. Nous devons absolument aujourd'hui mettre les bouchées doubles en disant que voilà le pays dans lequel que nous voulons que ça soit. Mboka na biso tolingi ezala boye. Nous devons mettre un système en place pour essayer un peu de vendre ce que nous pensons. Lorsque nous parlons de vision du chef de l'État, esa clarté bandeko, to lobi que na vision chef de l'État esa clarté. Cette vision là, on l'applique comment? Est-ce que cette vision là est chiffrée? Etikalika makanisi. Bos to sangana ensemble pour total ndeni ni to bongisa mboka te. Esa la kabongo te. Une vision, je crois que mutunyo sotamba zo sala mulika munae. Quand moi je me dis aujourd'hui je suis sur ma petite chaîne ici, je suis en train de planifier dans 5 ans à Kozalawapi. Et qu'est-ce qu'il va me falloir pour que place soit à définir que Nazala? Qu'est-ce qu'il va falloir que Nazala pour Nakomawana? Quel est le chemin que je veux planter pour que Nakomawana? Ça doit être réfléchi aujourd'hui avant que je ne m'engage. Tokoya kaka na télévision ka boete ke tobandika eloko moko boete. Non, nous avons un plan. Sur le plan individuel, c'est ça que je parle. Ngape na plan individuel na nga na soyeba ke non. Tamo na za na kozala même atteint na 100 000 abonnés. Qu'est-ce que je ferai? J'ai mon plan et je suis en train de l'exécuter. Ya mwana za ko permettre ngai ke non na kende boye. Et puis quand je le fais, na zo mona ba fruit. Si je ne voyais pas le fruit, j'allais déjà arrêter. Parce que na koyeba na kokoma awa na kosala boye. Gouverner c'est prévoir, c'est ce qui nous manque aujourd'hui en République démocratique du Congo. Bato bazoya na pouvoir baza koyeba eloko nini baye kosala te. Tokende nanu tokotieba makambo kosala tant tokoma sur place. C'est ainsi que vous aviez entendu le président de la République actuelle disant que non, on lui pose la question qu'est-ce que tu vas alors na kokanga nanu ba kacho na est-ce que c'est ça la réforme? Parce que dans les années na ça kolinga okote sabino changement ya ngoba tu bazoze la et ça changement nini? Qu'est-ce que nous devions faire? Na tamwa na tozo ke na campagne électorale tozo loba ke no tozo ko ça la changement. Nous devrions avoir un road map oyo ezoti ndika biso na ebine ke non tamu na okoma mokonzi na kokanga batu te ou bien na kosala boete. Je prévois parce que je sais la conséquence par exemple ya kokanga batu ko ça la nini nini. Na ko planifier na lobby dans une année, dans les 100 jours qui vont venir, na ko ça la ABCD parce que je vais tenir compte na ba moye o na za nango. Aujourd'hui, on nous dit non, recette à l'État, commis 3 milliards, tout ça. Qu'est-ce que nous allons faire de cet argent? Et qu'on servir bison et l'on comme côté. Preuve en est que la même. Au bino moko bozo no bake non mongo bokoti sa qui est ali. Mais si quoi, il y a des employés de l'État qui ne sont pas payés. Bon, toza n'a pas problème, mais belé, boye mi place boza ko bande la te. C'est ça le grand problème qui nous ronge aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mais gestion est partout. On voit les problèmes partout. Bande konande yo tozali lelo.
tout ce que nous ferons, tokenda kaka na ba voix disparate. Alors, comment est-ce que nous pouvons nous revenir tozonga na nous bisonyo so ensemble à koloba keno? Tova na na nous total na nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Na tel domaine, aujourd'hui toko se réveiller lobi président lobi te. Na moni que gouvernement est ça la maboyete. Na moni que ba tubazo changer. Na moni ba élection. Bozo kama kambo. Oh non, il faut dialogue et tout ça. Tout ça n'a pas été prévu. Je crois que mon conseil, oya kokota, oya lingia banda kosala makambu, il faut vendre la solution et kozala wapi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que na koti sa babiloko oyo? Bozo yo ka makambu atoza koloba makambu 145 territoires. Nous avions dit, oh, j'ai cheminé l'histoire, mais nous commençons à comprendre que non, ils ont récupéré na batoyi de pèse. Bon, non, on va faire ceci, bah toi-même, on va donner l'argent au territoire, parce que ceux qui trompent ça va avoir 2 millions, tout ça. Ce n'est pas un problème d'argent que le Congo a aujourd'hui. Et ça, problème en bon côté, on va trompent ça. J'ai entendu même quelqu'un hier qui disait que non, Azala qui sont qui n'a pas beaucoup dans la chaîne, moi, la télévision, à l'obiba chef de secteur, à Zalakate, à l'obiba chef. Ça c'est faux. Je ne sais pas dans quelle province ce monsieur a été. Bande ko Congo yo so place au kende au kokuta ata militaire azate. Mais ba ko ebiso ba lobi wana za secteur a yo akoma. Ou bien wana za secteur a tel. Les histoires sont connues. Mais nous qui voulons à ce que bilo kane za la connuité, nous allons nous récupérer en disant que nos places wana ba tuba za la kate. Kote kuna ba ngumu ba za la kate. Vous voyez comment est-ce que nous sommes en train de justifier l'état actuel du Congo, au lieu de prendre la réalité. Bandeko, partout na Congo, soko kei. Okei, okende, soki a ona kasumbale, sa wapi. Tout na batu, ma koi, pso, non. Secteur wane zali boe. Mukolo na yababa, mabele wana baza, tel. Tout ça, eza na mitu ya batu, batu ba yebi. Mais les politiciens, verrez qu'ils sont aujourd'hui, ils tendent à dire que non. Oh non, baba toi na bazala kate to kopesa mbongo ngo na banane. C'est pour cela ils ne savent pas. Bokoye ba te soki tozo lo bandenge ni ko asseoir base. Bokoye ba ngote tant que vous n'avez pas prévu à koloba que non, voici le cartographie à Congo. Aujourd'hui le président de la République a déclaré que non, il faut refaire cartographie à yaba mine à Congo. Qui lui dit que cette cartographie n'existe pas? La cartographie y a ba minerai zali. Ezali, tout est là. Mais tout simplement, il faut donner à chacun sa place. Il ne faut pas reconnaître Batuna place na bango. Lorsque nous n'aurons pas à reconnaître chacun dans son milieu, Moutoua yebi to reconnaître que Moutoua yebi to avance kate. C'est pour cela que nous ici nous disons la première des choses à faire, c'est réorganiser la base, tout simplement. Donner le pouvoir à la base. Comment est-ce que nous allons redonner le pouvoir à la base sans reconnaître les tribus qui existent? La première des choses, nous devons d'abord aller à l'identification. Bandeko, changement au peuple, les autres et les autres changements. Et ça, changement à Kotonga la Bango Bapo. Ce n'est pas ça le changement que le peuple veut. Le peuple veut voir à s'approprier gestion un pays naïe. Le peuple veut voir à ce que toi yeba que non bokonzi ezali sousu ya bokonzi ya kalate que non mutu moko nde mutu akobanda discuter ye mutu mwa ko décider yo makambo ya kichef wana. Est-ce que ça va nous demander beaucoup de temps?
nous demandera pas beaucoup de temps parce que il suffit tout simplement c'est que courage à mokonzi alelo alobi te bandeko ngai moko na kosala makambo nyoso te. Tout ce que nous allons construire ce pays, le pays ici sera construit par le peuple congolais. Le peuple congolais doit s'organiser, doit travailler la main dans la main. Et nous devons commencer par là. C'est par là que nous devons faire réconciliation nationale. Réconciliation nationale et que les kakate sans que toyeba oyaza mouluba, oyaza mou Congo, oyaza mou Swahili, oyaza mou Ngwandi, oyaza. Nous devons connaître qui, qu'est-ce qui est qui au Congo. C'est par là que nous devons commencer. L'Ikambo ya kozala na réorganiser ma territoire, c'est comme ça que moi je disais que non. L'Ikambo ya kosa les a ko bengana nou. Les états déliés des territoires, il faudrait qu'on puisse avoir le pouvoir à Koloba que non. Écoutez, ce n'est pas Kinshasa qui va venir construire votre territoire, non. Au comment la ville quoi na besoin le baké oh non bon, tu repères ça banani ba territoire tu repères ça bango bon. Le même personne vont se dire bon, yo okenda yo okenena ba ouélé. Quand ils sauront que non tout ça là bon, ils vont tripoter dans toutes ces histoires là. Oh y a recensement nango même couture ça. Regardez le projet OIM. Ce qui botal botangi eloko na tanga na tanga ki eloko na na obisa c'est de la foutaise ko. Eko même abiso eloko mon côté. Tant que vous n'allez pas reconnaître d'abord les tribus parce que l'article dit c'est zoloba yango. Pesa batu bokonzi na bango. Le Belge nous avait retiré le pouvoir, c'est ce qui nous trouble. Source nango yango na bandeko tozolo ke lango musika batu na batu nous ne savons pas comment nous organiser à la base. C'est parce que le pouvoir de la base a été retiré à la base. On nous a mis tous dans un sac et nous on ne sait plus se retrouver. Mais na mboka ta en Afrique d'ici tant tozali à place tozali oyo kakao ba peti bani ils sont arrivés en se reconnaissant. Les gens ont commencé maintenant à se marier entre Boboyo Kanyekoti na Bango. Tant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Sud-Africain et vous avez bien. On sait, tant que vous avez dit 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 que il faut tous se reconnaître d'abord, que la base puisse être reconnue et que la base puisse s'adapter à ça l'ensemble, à Kotonga et Tonga na Bango, va protéger Ango. Aujourd'hui, le territoire est protégé. La base n'est pas protégée. Comment est-ce que vous allez. Ok, nous Tonga, là-bas, la place au Batbazo Kobunda. Est-ce que nous sommes vraiment. Nous sommes. Tosana Mayele vraiment. Et quand nous disons par exemple que non, Ouganda ya kotonga la biso balabala, ba quoi ya kotonga place bazo bunda. C'est là où nous disons que non, il y a des choses vraiment que nanani na biso, na mutu na biso photo corriger en haut. Alors, comme nous donnons toujours des solutions, comme nous disons que solution eko utaka wapi bandeko, le changement ne peut pas attendre beaucoup de temps. Les changements, nous ne devons pas poser les jalons du changement et que le peuple a sentir que non. Makamwe maneko sale makala ezali susuté. Si le trafic d'influence était il y a longtemps, aujourd'hui trafic d'influence est à la kate. Oyebi te. Toko koma na place wana ndengini. C'est justement en responsabilisant la base. En mettant la base face à ses responsabilités. C'est là la question. Comment il faut faire pour que récupérer en haut. Moi, je dis tout simplement qu'il faut réorganiser la base en faisant un appel aux états généraux des territoires. Et je vous dis que les 145 territoires peuvent engendrer la paix. Processus soit le feu Bandakuna. Processus soit fait dans 145 territoires. Na Kinshasa, même le recensement ne commençait pas ça à Kinshasa. L'idée peut venir du président de la République, mais l'exécution, président Atsala na bato bazana se, Atsala na ba politicien vere ote o bazo kosae. Beaucoup de politiciens sont en train de mentir le président de la République. Tango bazako kosae nengwana,
Yepe a commis, il se retrouve dans le même panier que Kabila. Parce que quand vous voyez que même le fils, même Joseph Kabila, quand il était arrivé au pouvoir, aya quitté naba makambwa babinani o. Mais lorsqu'il a été entouré par ce même Congolais véreux, oh ba miibi, nous les appelons les voleurs. Ils ont encore tiens venait on a président, on a innocent qu'il était, il a cédé. La solution aujourd'hui, c'est que nous devons reconnaître d'abord que nous sommes très mal partis. Nous sommes là et comme ma biseau est ici à mon côté. Ça d'abord, ça c'est la première des choses qu'il faut que nous fassions. Nous devons reconnaître ça, en commençant par le président de la République lui-même, en disant que bande qu'on a modélé Togo Kende, Togo Suka, Togo Komate. Moi, je me dis, nandenge na lobite ke nga naza monopole à parole. Je dis que l'importance de continuer à nous battre pour les élections est athée. Ça ne donnera aucun résultat à l'élection en 2023. Par contre, si nous pouvons commencer à entamer une nouvelle république, en redynamisant, en disant que non, Mbongo, préparons une nouvelle république où le peuple va commencer à diriger. Plan Ezandengeni, plan Ezali qui réorganise base. Et nous demandons suppression à parlement d'abord. Na sena kuna. Nous restons, même le gouvernement, il faut être la gouvernement, peut-être le directeur général. Il ne faut pas passer avec les politiciens. Qu'on soit pas politicien, mettre en place un gouvernement de transition qui ne sera pas composé par la politique, par les politiciens, non. Il faudrait que ça la compose dans ma personnalité, mon connaître, que lui-même se choisira en disant oh, le gouvernement, oh, Naza convaincu que Toza tient en place pour une mission, réorganiser la base. Et ça la tête que non, Bazoya on a avec 350 points communs. Non! On est à Coco, sa peuple. Nous mettons un gouvernement de transition pour réorganiser la base afin que na réorganiser Bazoya. Base le territoire puisse nous pondre une nouvelle législature à Sika, Otoza Kobenga, 4ème République. Tokosala yango nenin, il y a un plan, nous avons ça ici. Il y a un plan qui peut marcher, mais tout le monde a dit ma politique. Laissons la politique, reconstruisons d'abord le pays. La politique ne construira pas ce pays. Ce pays se construira par le travail et par l'implication de tous les Congolais. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et demain, nous parlerons encore une fois de plus sur les états généraux. Comment ça peut être organisé? Comment est-ce que nous pouvons y aller? Je suis obligé de le dire parce que ça me va trop au cœur. Et je suis convaincu que le plan aussi qui t'a appliqué en haut, donc comment la politique est qu'on joue à Kamingite. Mais le peuple va commencer à se mettre ensemble pour travailler pour un but, pour protéger le peuple Kounyabangonyoso. Aujourd'hui, on ne protège même pas, on détruit ce que l'autre a fait. Boza komona makambwa Bukangalonzo, boza komona makambwa ya Transco. Ça, ce sont des exemples qui illustrent que nous ne pouvons pas travailler ensemble, nous Congolais. Mais l'espoir est encore là, nous pouvons le refaire et nous en parlons demain. Merci beaucoup, on se retrouve demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.